Aujourd'hui, vous le savez, au cœur de l'événement du dispositif de la sortie des mineurs chiliens en direct au milieu de nulle part. Beaucoup sont déjà sortis, on les a croisés ce matin, la mine grise, fatiguée bien sûr, non, mal habillée. Marc-Olivier. Ouais. Ah, c'est pas des mineurs chiliens ? Bah non. Ah, c'est des habitants de Rouen. Quand même. Et là, je vous jure que c'est vrai, la première phrase qu'il prononce à sa femme, dont il a été séparé depuis 68 jours, c'est « Comment va le chien ?» Une grève à la SNCF, une gare paralysée, un train sur 4, 1300 usagers à bout, un Fogiel. Pour lui, hier, arriver à Rouen, c'était mission impossible. Je crains que la majorité ne paye très cher si elle passe en force, ne paye très cher cette réforme en 2012. Nous devons nous comporter dans l'opposition comme nous nous comportons demain au pouvoir. C'est-à-dire que nous devons être en capacité de dialoguer. Si demain nous arrivons au pouvoir en 2012, et c'est nécessaire pour le pays et pour les Français. Vous avez été rendue célèbre par Internet, un peu comme Paris Hilton, sauf qu'elle, elle ne chantait pas. Et vous, c'est grâce à la chanson « Près de moi ». C'est vrai. Et moi, c'est une chanson particulière pour moi parce que c'est sur cette chanson que j'ai fait l'amour pour la première fois. Oui, je sais, elle est sortie en 2000, mais chacun son rythme, d'accord ? Nous, ce que nous réclamons, c'est que le gouvernement revoie sa copie et qu'il examine avec les syndicats et avec nous ce que peut être une vraie réforme. Iconoclaste, ça va faire plaisir à mon camarade Askolovitch parce qu'il y a 11 lettres. Tu peux même pas le placer aux chiffres et aux lettres tellement il est long, le mot. Ok, here we are in a freezing cold ice cube. On va aller directement dans le lit. We're going to the bed? Oui. Regarde, Cindy, c'est magique. Regard. It's magical. All right. Oui, yeah, that's les... what they all say. Le gouvernement a ouvert des discussions depuis le mois d'avril. C'est difficile. Moi, je vais vous dire, ça serait tellement plus simple pour un président de la République et un premier ministre de dire, écoutez, circuler, il n'y a rien à voir. Il y a 30 milliards de déficit. Attendez, c'est pas grave. Et c'est la première fois que je vois une mise de prêt. Wouh ! Ça nous change de ce qu'on a d'habitude, hein ? Attends, la semaine dernière, on a eu Tex. Oui. Pardon, on bandait pas pareil. Je peux pas venir à Rouen sans avoir une pensée pour Jeanne. Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. Je le dis avec tout le respect que l'on doit à une ex. Jeanne d'Arc, oui, Jeanne d'Arc, je l'ai pécho.